Boba, merci pour être là pour notre premier épisode de Sur Charlie Live. Moi, je suis Horacio, je suis évangéliste chez OVH et je suis aussi Google Developer Expert et Web Technologist. Et moi, je suis Jean-François Garraud, je travaille chez Lucas, je suis aussi GDE Web Technologie. Et aujourd'hui, on va faire ce talk inspiré fortement, Voire même carrément copié, je pense. voire même carrément copié, des Supercharge Live des ingénieurs de Google, Surma et Paul Lewis. Donc, ils ont commencé à faire ça sous plein de talks. Et nous, on va essayer de faire la version française. Alors aujourd'hui, l'objectif, il est simple, c'est on va essayer de live coder une appli qui va reconnaître notre visage et si possible, on va essayer d'ajouter une petite moustache pour que ce soit sympa et vous le partager sur les réseaux sociaux. Tout ça en 45 minutes? Eh ben, c'est le challenge qu'on s'est fixé. Un petit clone de Snapchat en 45 minutes. C'est parti, on ne va pas avoir ça de tous les temps. Alors, donc, on est parti. Horacio et moi, on est fan des Web Components. Hein. Je pense que si vous nous suivez indépendamment ou que vous connaissez un peu Horacio, eh ben, vous savez que nous et les Web Components, c'est notre cam. Par contre, pour ajouter un peu de piment, on ne va pas le faire un truc avec une bibliothèque un peu compliquée comme Polymer qui nous ferait plein de choses. On va aller directement au Web Component Vanilla en utilisant simplement les trucs qui sont nativement supportés aujourd'hui dans la plupart des navigateurs. Donc du coup, bah, on va faire vraiment du pur vanilla. Donc detector.js. Donc là, je vais ajouter mon fameux script. Donc, on a commencé avec un squelette d'appli vide parce qu'on s'est dit que vous n'aviez pas envie de voir un Yarn install en live. Qui avait envie de voir un Yarn install? Tu sors. Mais dehors, dehors. Et on s'est permis de faire un petit template juste pour nous faciliter un tout petit peu le travail sur la partie Web Component en reprenant les grandes briques. Alors on a triché, on dit on n'utilise pas de librairie, c'est vrai, sauf un petit truc, une petite brique technique bien utile qui s'appelle lit.html. Lit.html, c'est une petite librairie qui va nous permettre d'écrire la fonction render que vous voyez là en utilisant des strings JavaScript, mais façon un peu comme on ferait directement sur JSX, sauf qu'à la place de JSX, on fait des vrais JavaScript sans devoir faire des transpilages, des compilations ou quoi que ce soit. Alors du coup, pour vous montrer la chose, ce qu'on va faire, c'est que là, j'ai branché les DevTools sur mon... Alors, il faut juste que je récupère la bonne URL. Ça commence bien. Voilà, donc il va brancher les DevTools sur son téléphone, comme ça vous allez voir sur l'écran ce qu'il est montré dans l'écran de son téléphone. Et pendant ce temps-là, je vais vous essayer de dire, vous pouvez vous connecter sur Twitter si vous avez déjà des questions, Voilà. des remarques. Je vais essayer aussi de répondre en live pendant que Jean-François commence à coder et après on changera les rôles. Voilà, c'est bon. Donc là, on est bien sur la bonne page. Il y a le Hello World. Mais bon, vous n'êtes pas venu là pour voir un Hello World. Donc... Quoique, un Hello World en live, ça a déjà une certaine valeur, non? Merci, merci. Merci, c'est vrai. Non, c'est vrai, ça peut éventuellement servir. Mais là, nous, c'est pas ce qu'on veut. On veut donc récupérer le visage. Et pour ça, bah, pour s'assurer que tout marche bien, on va récupérer le stream de la caméra de mon téléphone. Et pour, dans un premier temps, la preview, eh ben, on va utiliser donc une balise vidéo. Donc, on va utiliser l'API Media, qui est basé sur WebRTC et que maintenant il est supporté par la plupart des navigateurs, y compris Safari sur iOS, ce qui n'était pas le cas il y a 6 mois. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit, maintenant que l'API commence à être vraiment utilisable partout, autant faire une petite démo. Bon, c'est vrai pour cette partie-là. Vous verrez qu'après, ce ne sera peut-être pas forcément le cas. Pour les Après, on autres. rentre dans des terrains plus expérimentaux. Exactement. Petit truc aussi, bah, vu qu'on est en mode hashtag use the platform, nous, parce qu'on aime la plateforme, et bah, vous voyez, il n'y a pas de polyfill et on va utiliser directement du async await. Qui connaît async await ici, un petit peu? Ah bah, ça commence à... C'est bien. Pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, vous avez eu marre des callbacks, on vous a dit d'écrire des promesses. Avec les promesses, vous avez marre des then et les fonctions à l'intérieur des then. Avec Async Await, vous allez écrire à l'ancienne une écriture impérative et simplement quand vous lancez une opération qui est asynchrone, vous allez mettre le petit mot-clé await devant pour dire tiens, ici tu lances l'opération et tu attends les retours. Ce qui facilite énormément l'écriture de code, mais surtout la lisibilité de vos applications.
Alors, pendant qu'Horacio y parlait, donc moi je suis en train d'initialiser le contenu de ma vidéo. Donc, qu'est-ce qu'elle va avoir à manger, ma vidéo? Donc, je vais récupérer les user media, donc c'est récupérer le stream de ma caméra. Et pour ça, je vais lui dire je veux de la vidéo, je veux que tu me donnes la vidéo de face et pas la back. Et aussi, je vais lui préciser un framerate. Hop, et donc framerate 2.60. Voilà. Donc, et on va jouer cette vidéo, this.video.play, tout simplement. Et là, normalement, si tout se passe démo. Bien. Démo. Première démo. Normalement, je suis censé avoir une vidéo. Bon. Oh, coucou. Voilà. Ça commence bien. Ça commence bien, mais. 6 minutes, c'est pas mal. Allez, on continue, on va s'accrocher, on va essayer d'aller même un petit peu plus vite. Je vous ai dit, on va rajouter une moustache. Le problème, c'est qu'on ne peut pas ajouter une moustache directement sur une balise vidéo. Ça marche sur une pas, balise ça. Vidéo, on ne peut pas dessiner. Par contre, un canva, on peut. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un canva. Et on va essayer de verser la vidéo sur ce canva. On va voir si ça marche. Et après, enfin, on ajoutera notre moustache. Donc, on va rajouter un canva. Tac, canva. Et on va l'initialiser un petit peu, cet ami canva. Donc, on va lui dire qu'il va prendre toute la taille de mon écran. Donc, canva.width est égal à vidéo.window.innerWidth. Et la même chose pour la hauteur. Comme ça, je suis sûr que ça prend la bonne place. C'est-à-dire que ça remplit toute la place possible. Qui dit canva dit contexte. Hein. On va devoir dessiner dans ce fameux contexte. Il est égal à thisCanva.getContext 2D. Voilà. Et comme la résolution de ma caméra n'est pas la même que celle de mon écran, il faut que je gère un minimum un ratio et pas un no-ratio. Il fallait qu'il la sorte. Il l'a préparé pendant des mois et voilà, des mois. Je me sentais obligé, en fait. Je n'avais pas le choix. Canva. .width divisé par this.video.video.width. On va faire la même chose pour la hauteur. C'est parti, 8 ici. Avec ma dyslexie, ça marche encore mieux. Ouais, tu verras quand tu vas me laisser ton clavier assorti, moi que j'utilise des QWERTY depuis des années. Ah, je pense que ça va être bien rigolo, bien rigolo. Donc, ok, j'ai un canva, il est initialisé, mais je n'ai toujours rien dessiné pour l'instant. Donc, this.draw, très bien, et on va faire cette petite méthode .draw. Et donc, c'est maintenant que tu vas essayer de capturer les flux vidéo sur ton canva? Eh bien, je vais essayer de le transférer plutôt, je dirais, mais oui, en effet. À la fin, donc, vu qu'on veut que ce soit dynamique et que ça marche tout le temps, parce que si je fais juste un draw, bah, je vais avoir qu'une image, moi je veux que ça marche tout le temps. On va utiliser Request Animation Frame, donc c'est le navigateur qui va me dire quand lui il est disponible pour dessiner. Et donc de cette façon-là, on est sûr qu'on aura quelque chose qui sera un framerate plutôt correct. Disons le framerate maximum que le navigateur va supporter. Ok, donc on a dit on va dessiner. On dessine dans un contexte. Hein. Je vous enlève les mots de la bouche, j'en suis sûr. Et on va dessiner notre vidéo. Et on veut que ça marche comment? On veut qu'elle soit positionnée idéalement. Normalement, je pourrais le faire sur mon PC et essayer de centrer. Pour faire ça, on va lui préciser plusieurs choses. On va lui dire, c'est quoi ta position de départ dans l'image de fin? Donc là, ici, ça va être this.canva.width-this.video.video.width multiplié par le ratio, parce qu'il faut que ce soit proportionnel. Encore. Je sais qu'il est en train de le penser très fort. Non, je ne l'ai pas dit. Par contre, au niveau de la hauteur, on veut que ça parte d'en haut. Et on veut que ça prenne la taille de ma vidéo de façon proportionnelle. Donc, width, je multiplie this.horatio. Qui savait ? This.video.video.height multiplié par mon petit facteur. Ok, alors. Petit truc sur lequel on va gagner un tout petit peu de temps, c'est que on va avoir un peu de style, etc. Pareil, qui a envie de nous voir taper du CSS? Voilà, bah vous sortez tout. Là, c'est sympa, merci.
Voilà, donc c'est juste. Il a tapé des CSS. Techniquement, j'ai tapé du CSS. qu'est-ce que ça a fait ce CSS? Globalement, il va masquer ma vidéo et m'afficher à la place mon Canva. Et donc, si en théorie je rafraîchis. Vous devriez voir la même chose qu'avant. Exactement. Sauf que maintenant, sur un Canva, et la vidéo restait cachée. Unexpected token. Okay. Tu n'as pas fermé ta valise style. Tic. Voilà, tu as oublié de la fermer. Il a tapé des CSS encore. Et voilà, mais fallait pas. Alors, on va rafraîchir. Est-ce que c'est rafraîchi là? Attention. Alors ça sent le truc. Ah, la mort moelle-neu. Donc j'ai bien un Canva ici. Très bien, il est ici. J'ai récupéré mon user media. J'initialise ça bien ici. Canva with, je fais un draw. Je with. Ah, voilà, c'est ça. Ça devrait. Je vérifie que c'est bien bon ailleurs. Ok. On rafraîchit. On rafraîchit. Ah. Ok. Alors attendez, vous le voyez pas parce que. Voilà. Ok. On a fait vachement de changements. Hein. Wouhou. C'était un truc de fou. Donc bon, maintenant, tu vas ajouter la moustache. Ouais. Alors avant d'ajouter la moustache, on va faire un petit truc. Je vous ai dit, on va détecter un visage. Donc on va utiliser OpenCV. Hein. Je vais live coder directement à base de matrice. Tu pourrais utiliser quelque chose d'un peu plus moderne, non? Ouais, peut-être la plateforme, en fait. Il y a peut-être quelque chose dans la plateforme, maintenant. Bah, est-ce que tu as entendu parler de l'API Shape? C'est une API qui permet de reconnaître des formes, des choses, etc. Moi, je l'utilisais pour reconnaître des QR codes. C'est vraiment sympa, mais il y a une partie qui permet de reconnaître des visages. Genre avec un truc qui s'appelle Face Detector, par exemple? Oui, que Visual Studio Code ne connaît pas encore, il n'intéresse pas compléter, mais que tu sais qu'il existe. Oui, face mode, du coup, on va dire, vas-y, ce sera un peu approximatif. Et puis, on va demander Max Detected. Si on mettait le face mode à false, il ferait de meilleures reconnaissances, mais le frame rate dropperait un petit peu. Et donc, la moustache va être placée de façon un peu approximative. Ça sera encore plus drôle. Ça va être bien, je pense. Ça va être vraiment bien placé. Mais alors attends, si je suis en train de récupérer mon visage, que c'est quelque chose d'asynchrone, alors que je suis dans une méthode, je pense que je vais rajouter un petit flag, histoire de gérer correctement la chose. Is detecting face est égal à false. Ok. Donc, ici, si je suis en train de détecter un visage, de ne pas détecter un visage, Detecting face. Is detecting face. Si je ne suis pas en train de détecter un visage, je vais vouloir le détecter. Donc je vais dire que ça, c'est en cours de détection. Et je vais utiliser mon fameux objet detector. Detector. Point avec une méthode hyper compliquée, detect. Là, c'est des API vraiment complexes à utiliser. C'est dur à utiliser. Vraiment, là, on se casse, là, comme des fous. Face array, en fait, on va récupérer donc un ensemble, un array de visages, et on va regarder un petit peu ce qu'il y a comme info là-dedans. Donc, hop, ça repasse à false, et puis on va faire un petit console.log pour l'instant, avant d'ajouter la moustache. Et tu peux montrer combien de visages il détecte, comme ça on fait une petite démo avec nos deux têtes. Normalement, cette fois-ci, ça c'est plutôt correct. Console affichée, rafraîchissement, lancé. C'est parti. Maintenant, il devrait détecter un visage. Detect face. Et maintenant, hola. On a deux detected face, formidable. Et qu'est-ce qu'on a dans un detected face? On va regarder un petit peu. On a un bounding box. Bounding box, c'est un peu comme... un rectangle, quoi. Un rectangle, hein, forcément, avec des propriétés x, y, width, left, etc. Donc, je vais connaître la position de mon visage dans un Canva. Hein. On part du haut, 0, c'est en haut, puis je descends. Okay. Comme tous les coordonnées dans Cinemas. Et sur le web. On va ajouter cette belle moustache. Oh, j'ai hâte de voir ton visage avec la moustache, Jean-François. Ah, moi aussi. Alors, bref, IMG. Si vous êtes déjà posé la question, c'est quoi le bon endroit dans un visage pour placer une moustache? Il va vous donner la réponse. De façon 100% improvisée, vous vous en doutez bien. Extrêmement mathématique. Ok, donc là j'ai ma moustache. On va donc l'ajouter ici. Moustache, très bien. Et on va
changer un petit peu. Alors, il faut juste un petit truc. Je vais récupérer, initialiser un petit tableau avec mes faces. Mes faces, hein, j'ai dit. N'oublie pas que tu es enregistré, Jean-François. Je sais, c'est pour ça que j'ai bien précisé que je disais face. Donc, code of conduct, hein, on a vu ce matin, c'était important. Donc, j'initialise mon array, et cette fois-ci, si je détecte des faces. Non. Length. Raté. Voilà. Dans ce cas-là. On va faire un petit for each là-dessus, this.faces for each. Parce que autant, quitte à mettre des moustaches, autant les mettre dans tous les visages détectés, sinon c'est pas drôle. Ce serait, tant qu'à faire, ce serait un peu plus sympa, je pense. Ça ne changera pas grand-chose. Faces est égal à detected face, et je vous ai dit, moi ce qui m'intéresse, c'est la bounding box. Il fait attention quand il tape, parce que quand on répétait, il tapait tout le temps bounding box. Ouais, c'était un peu boudin, quoi. Et on va dessiner un petit peu donc cette fameuse moustache. Donc this.moustache. Et on est reparti. Alors, on la positionne où ? On va la positionner directement au niveau de mon visage. On met une belle moustache, donc on va la mettre de côté gauche de la de visage et sur côté droit. Face.fr. D'oreille à oreille. On va la mettre aux trois quarts du visage. Et c'est là le côté mathématique. On prend les visages détectés, on les divise en quatre. Face.top plus face.8. Attention, que multiplier par 3/4. Gros calcul mathématique, attention. Des machine learning pour positionner les moustaches. Ouais, bah non, on a réfléchi, on a fait beaucoup d'essais. Hein. On veut qu'elles prennent toute la taille. On avait hésité à ajouter un modèle TensorFlow et l'entraîner en live, mais on s'est dit que c'était un peu too much, quoi. Et on va diviser ça par 5. Bon, on veut que ça fasse un cinquième du visage. Une belle moustache qui fait un cinquième du visage. Ça me paraît plutôt pas mal. Alors, si on regarde ça, qu'est-ce que ça va donner ? Est-ce que ça va marcher ? J'espère que oui. Alors, moi, moi j'avais ma moustache, moi aussi. Vas-y, vas-y. Ok, cool. Moi, j'ai rempli ma part du boulot. Ah mince, maintenant c'est à moi. Eh oui, ça va être à toi. Bon, on va essayer de faire au moins aussi bien que lui. Ça va être compliqué déjà, je ne sais pas me servir d'un assertif. Bon, donc Web Component, il a fait un détecteur et maintenant ce qu'il m'a demandé, c'est de pouvoir enregistrer une vidéo avec les moustaches, pouvoir les mettre quelque part sur Internet et pouvoir les partager dans les réseaux sociaux. Ah bah, ce serait mieux, oui. Donc du coup, on va créer quelque chose qui enregistre. Je suis original, je vais l'appeler Recorder, si ça te va. Recorder pour record quelque chose. D'accord, ok, ça me va. Écoute, ça, on a 45 minutes, on ne va pas faire dans l'originalité. Non, ça c'est sûr. CTRL-C, CTRL-V, CTRL-C, CTRL-V. Une partie importante du boulot de tout développeur. Et donc, on ajoute notre joli petit fichier .js, recorder.js, en réutilisant notre bon Web Component Snippet. Voilà. C'est vraiment un pur bonheur. Et on va l'appeler ça. L'autre, il l'appelle... Detector Face, donc Recorder Face. Recorder Face, ça le fait très bien. Allez, soyons original. Ah, toujours dans l'originalité. Et là, bah, on va l'appeler, comme je l'appelais, Recorder-Face. Dans ce cas-là, ça l'est fait. Donc, je vais tricher aussi sur le style, parce que moi, le style, je n'ai pas envie de le taper en live, vous me pardonnerez. Globalement, l'idée, c'est qu'on va essayer de mettre une barre en bas avec un gros bouton. C'est ça, on va le faire en live, ça, c'est parti là au moins. Ouais. Donc, ce qu'on va faire, bon, on va ajouter déjà les gros boutons. On va faire un div, qu'on va appeler... Record bouton à tout hasard. Oh, allez, si tu insistes, comme ça, ça va bien avec mes styles CSS, donc je ne vais pas te dire non. Ensuite, une fois qu'on a pris une vidéo, ça serait bien de pouvoir la voir avant de décider si on la publie sur Internet. Bah, moi, j'aime bien si j'ai pouvoir voir si je suis beau ou pas avant de partager quelque chose. Quand même. Tu es toujours beau, mon Jean-François. C'est mignon.
Ah, écoute. Donc là, tu as une belle balise div preview. Très bien. Mais, ok, donc il va nous falloir une vidéo pour pouvoir jouer, si je comprends bien, donc la... C'est ça qu'on a dit, sinon c'est pas drôle, quoi. D'accord. On va l'appeler à tout hasard preview vidéo. Pour respecter ton style CSS, je suppose. Bah, toujours, okay. Toujours la même histoire. Qu'est-ce qu'on veut de ces vidéos-là? Déjà, ça va être des vidéos plutôt courtes, donc on va les donner en autoplay. On ne veut pas les sons. Après tout, ça va... Allez, Horacio... On ne veut pas les sons et on veut surtout qu'elles se répètent, sinon c'est pas drôle, quoi. Comme un bon gif, quoi, parce qu'on adore les gifs, quoi. Et une fois qu'on est sûr, mais sûr, on veut la publier sur Internet. Donc on va ajouter un share button. C'est logique. Share. Très bien. Ah ouais. Alors par contre, moi j'ai du mal à comprendre comment on va faire pour enregistrer notre vidéo en fait. Écoute, pour enregistrer notre vidéo, la première chose c'est qu'on n'a pas vraiment une vidéo, on a un canvas dans lequel les choses bougent. Donc la première chose ça va être récupérer le canvas. Si on avait le temps, on ferait un truc propre pour qu'un composant et l'autre partagent le même canvas. Là, on est un peu pressé. Tu as codé le canvas en dur dans les premières, donc il va falloir qu'on se débrouille. Donc, heureusement qu'il y a une petite méthode bien sympathique, DOM Content Loaded, qui va nous prévenir que l'arbre DOM est prêt. Et là, je vais faire CRAD de chez CRAD. Les enfants, ne faites pas ça à la maison. Tu feras attention, je suis en train de prévoir un petit bug, là. Ah non, s'il te plaît. Qu'est-ce que j'ai fait de mal maintenant? Ton tag HTML recorder face, il a pas de S dans ta déclaration. Oh mince! Merci, il aurait été... Voilà. Voilà, ça me va très bien. Ça sert à ça les binômes. Et comme je suis maniaque, j'ai perdu quelques secondes de nos 45 minutes, après il va me taper. Hey, mais tu aurais pu laisser la S tranquille. Mais au moins c'est propre. Donc ici j'utilise une propriété assez sympathique. Quand je suis dans le body de ma page HTML, si j'ai un ID, je n'ai pas besoin de faire un query selector pour le récupérer. On le récupère direct, c'est super pratique. Donc maintenant, j'ai lié un objet Canva dans mon recorder à l'objet Canva dans le détecteur. Hashtag use the platform, quoi, encore une fois de plus. Et fait CRAD aussi, hashtag. Ah oui. Super charge, quoi. Donc maintenant, j'ai ma vidéo, mon bouton. Je vais commencer peut-être à initialiser quelques-uns de tous ces éléments-là, quoi. Donc on les récupère sur le shadow root directement, qui est l'équivalent. Tu peux peut-être les faire en dessous. Oh, ok, d'accord. Je perds encore quelques secondes en plus. Mais tu aurais pu laisser tranquille ça. Et donc oui, on va récupérer ça directement sur le shadow root, parce qu'en fait, ça va être l'équivalent de notre document body ou quoi que ce soit. Donc là, on va grâce à ça accéder directement à nos éléments. Ça va être plutôt pratique et on va pouvoir les manipuler. Mais là, moi, donc, là, que je suis vieux, que j'ai de mal avec le raccourci qu'il y avait, Jean-François m'a expliqué quelque chose trop cool comme celui-là. Alt écoutez, les enfants, à mon époque, il n'y avait pas de raccourci clavier. Alt-Shift-Bas ou Alt-Shift-Haut, vous dupliquez. Sauf si vous considérez que VI, c'est un raccourci clavier. Et tu veux encore faire sortir des gens, je ne vais pas poser la question quand même. On va. Et donc, on a récupéré, initialisé tous nos objets, c'est super, très bien. Alors du coup, si on utilisait des nouvelles API encore, parce que là... On va commencer avec des vieilles API. Tu veux que quand on clique sur Record, on commence à enregistrer, on arrête l'enregistrement. D'accord. Donc autant faire des très vieilles API, comme par exemple Add Event Listener. Et là, on va l'ajouter. Bah, écoute, on a reçu un... Clic. Oui, ça semble raisonnable. Écoute, on a reçu un clic, donc on va faire quelque chose. C'était pour voir si je suivais. Et moi, je pense que tu as dit qu'il veut qu'il change. Bah oui, parce que c'est assez logique en fait de se dire que c'est vrai qu'on démarre et on arrête, quoi. Donc on va juste faire un petit toggle et on va faire des actions assez simples avec ça. Démarrer, on va voir après comment on enregistre. Je pense qu'il nous réserve encore des petites surprises. Bah si, mais je vais pas à pas. Donc la première chose, c'est savoir si je suis en train d'enregistrer ou pas. Donc pour ça, je me fais une petite variable isRecording.
et je vais l'initialiser de façon assez... Je vais l'initialiser d'une façon qui va me convenir. Je vais jouer avec les CSS... Class list. Avec les CSS de mon composant. Ah, on peut faire ça directement? Bah oui, tu peux faire un toggle directement. Si la classe n'existe pas, tu vas la donner. Si la classe existe, tu vas l'enlever. Et en plus, en bonus, il va te donner les nouveaux états dans un booléen qui va me dire dans ce cas-là si je suis en train d'enregistrer ou pas. C'est pas mal, c'est pratique, c'est assez rapide du coup. Donc maintenant, si je viens de passer à l'état recording, donc si is recording, ça veut dire que je viens de passer à l'état recording. Donc ça veut dire que je dois enregistrer. On verra après qu'est-ce qu'on fait. Mais au moins, on commence à établir la... Il me reste 19 minutes, c'est encore jouable. C'est bon, on va le faire. Et puis, ils diront rien si on dépasse. Ouais, non, attends. On les a donné notre compte Twitter, à tous les coups, ils vont nous pourrir. Je ne les fais pas confiance. Alors, donc, start recording... Donc, maintenant, c'est quand on arrive à la partie dont on parlait. OK. Actuellement... Ce qu'on a, c'est un canvas dans lequel il y a la vidéo et les moustaches qui sont placées. Moi, j'ai envie de récupérer le contenu de ce canvas sous la forme d'un stream vidéo. Donc là, on a de la chance. L'objet canvas, il est assez sympathique. Et donc, on va récupérer directement le stream grâce à une nouvelle API. Donc, capture stream sur un canvas. Ça, c'est là, plutôt aussi pratique. Très compliqué à utiliser, je vous assure. Là, sur cet stream-là, maintenant, je voudrais pouvoir l'enregistrer. Avant, il y avait des façons extrêmement complexes à faire. Maintenant, il y a une nouvelle API très sympathique qui a été ajoutée à l'API Media. C'est un Media Recorder. C'est une petite API Camescope, d'accord. On va dire ça. Un truc pour faire du Snapchat, quoi. Oui, voilà. Ou pour faire des présentations sympas avec de live coding. J'ai triché un tout petit peu parce que je n'avais pas envie de mettre tous les event listeners à la main. Mais basiquement, je vais créer un objet recorder, au Camescope, que ça va être un media recorder. Il demande à recevoir un stream vidéo et il demande à dire comment est-ce qu'on veut qu'il encode ces vidéos-là. Et ensuite, il va nous proposer trois événements principaux. Le premier événement, data available, c'est quand il y a un morceau de vidéo pré-utilisé. On verra ça un peu plus tard. Erreur, c'est quand il se passe quelque chose de mauvais avec ta vidéo, mais j'espère qu'on ne va pas arriver là. Celui-là, on va le remplir tout de suite. Comme je ne vais pas faire un vrai contrôle d'erreur, désolé Jean-François, je sais que ça te semble très très crade. Oh là là, ouf, tu me sens très vexé là. S'il y a une erreur, on va sortir un message rouge de la console. Au revoir. Et qu'est-ce qu'il se passe quand on arrête l'enregistrement? Eh bien, je te parie qu'on va arrêter d'enregistrer. Waouh! Tu es fort. Bah je suis. Mais toi, tu n'es pas dans le bon endroit pour écrire ça. Si, je suis dans le bon endroit. This recorder, start. Après, les seven listeners sont asynchrones. On s'en fout. On parlait du stop. Non, mais voilà, j'étais okay. Bien en bas. Mmh. Et donc, quand je le démarre, la seule chose que je lui ai donnée, c'est la taille de chaque morceau vidéo. Il ne va pas enregistrer en continu. Il va prendre le stream, il va prendre quelques millisecondes de stream et à chaque fois appeler mon événement data available. Donc on est en train de créer finalement des petits blocs, des petits blobs de données binaires de 10 millisecondes. Là. Voilà. D'accord. Et donc, qu'est-ce que je dois faire à chaque fois qu'il y a un nouvel bloc qui est produit? Moi, je pense que le truc le plus simple à faire serait le stocker pour le moment. Donc, je vais créer dans mon joli composant un endroit pour les stocker. Pour stocker les morceaux. Quand je suis très original pour nommer mes variables, je vais l'appeler chunks. Comme ça, je vais stocker mes chunks vidéo dans chunks. Et là, à chaque fois qu'il y a un nouveau morceau qui arrive, je vais simplement prendre la data de mon morceau et l'ajouter à chunk. L'escala va des soucis. Le souci va arriver quand je vais arrêter l'enregistrement. Là, qu'est-ce que je voudrais? Je voudrais l'envoyer quelque part sur Internet. Mais pour l'instant, j'ai plein de petits morceaux de vidéos. Déjà, on voudrait le prévisualiser, ce serait pas mal. Déjà,
Alors, on a encore plus de raisons. On a plein de petits morceaux de vidéo, on n'a pas une vraie vidéo. On va les rassembler, ça te va? Oui, ça me va, très bien. Dans un blob. Donc, dans ce cas-là, je vais créer un blob. Un blob, c'est un objet binaire dans lequel on peut mettre tout et n'importe quoi, surtout n'importe quoi. Donc là, nos chunks. Dans ce cas-là, mes chunks, c'est tu me les mets là, à plat. Par contre, sois gentil, ce que je t'envoie, c'est de la vidéo. Si tu vas me les coller, tu me les colles d'une façon qui me convient. Donc, je l'ai dit dans les options, mon blob, c'est de type vidéo WebM. C'est comme une sorte de mime type, en fait, un petit peu, quoi. Voilà. Et maintenant, il va falloir, ou il faudrait, que je prenne ce blob-là et je l'envoie vers ma valise vidéo. Pas de vol, la valise vidéo, ce qu'il aime, c'est avoir des URL. Bon. C'est pas grave, il y a un objet pour ça. Use the platform. Exactement, hashtag use the platform encore. Donc, preview vidéo, lui, il aime bien avoir un src. On va lui donner un src. Et donc. URL, il est méthode create object URL. Et là, je vais lui dire, bon, tu vas prendre mon blob, tu vas me créer l'object URL qui va bien et tu vas dire à la valise vidéo, quand tu pourras, tu m'affiches ça. Comme j'ai dit, quand tu pourras, voilà, normalement, j'aurais dû mettre un callback ou une promesse, je mets mon await. Et quand tu pourras, tu mets l'affiche. Alors, preview vidéo peut-être. Ouais, si je fais un play de 10, il ne va rien faire. Il va râler et je vais me sentir encore plus bête. Après, comme je sais bien que tu as fait des trucs bizarres avec les CSS, je pense qu'on va dire, va dans ce cas-là, l'objet preview, le div qui enveloppe tout ça, on va le dire de devenir visible. Histoire que par défaut, on n'ait pas la preview et que la preview soit prête qu'une fois que le blob est généré, quoi, de façon assez logique. Et il me manque une méthode très intéressante. Comment est-ce qu'on arrête tout ça? On avait dit qu'il y avait une stop recording. Ben là, on va dire, Camescope, s'il te plaît, quand tu pourras, tu t'arrêtes. Et qu'est-ce qui se passe s'il n'est pas prêt ou si ça n'existe pas? Man, si tu savais que j'oubliais quelque chose. Bon, bah dans ce cas-là, Camescope, si tu existes, Camescope, et si en plus d'exister, recorder, et si en plus d'exister, tu as un statut différent de... Inactif, je crois. Oui, je crois que c'est inactif. Allez, on va dire inactif. Seulement dans ce cas-là, tu vas t'arrêter. Sinon, c'est que tu es déjà arrêté ou que tu n'es pas prêt, on s'en fout. Donc là, en fait, ce qu'on vient de faire, on vient d'enregistrer un stream. Ça serait peut-être le moment de voir si on arrive à le faire. C'est ça, on va voir. Allez, voir combien de lignes de code il faut que j'ai relance. Alors, on est reparti. Rafraîchissement. Oh, la console, il y aura la console de côté. Il me fait peur. Alors, déjà, on a un petit bouton. Et on a des moustaches. On a des moustaches, toujours. Et là, il enregistre. Ouais. Ouh, génial, on a même notre petite preview. C'est formidable. Donc ça a plutôt marché. Donc là, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient de réussir à capturer un stream, le transformer en blob pour le rebalancer dans une vidéo. Je pense que c'est plutôt pas mal pour le moment. Il nous reste 11 minutes. Bravo, Horatio, quand même. Donc maintenant, il va falloir envoyer la vidéo quelque part sur Internet pour avoir un lien de partage qu'on puisse ensuite utiliser dans les réseaux sociaux. Et que vous puissiez la partager après, parce que forcément, vous allez tous suivre ce fameux compte Twitter qu'on a créé tout à l'heure. C'est oublié. Surcharger live, tout attaché. Et surcharger live, exactement. Voilà. Surcharger live. Il faut toujours faire la pub. Là, il y a plein de façons différentes de le faire. On aurait pu l'envoyer sur YouTube, mais on était un peu court de temps. Donc, on a décidé la solution de facilité. Alors, il se trouve que là, en fait, on connaît quelqu'un chez Google. En tant que GDE, c'est plutôt surprenant. qui nous a donc mis à disposition un bucket sur Google Cloud et dans lequel on va pouvoir uploader la vidéo, en fait. Donc, une fois que ma vidéo est prête, je l'upload et là, je vais faire un upload. Et là, je vais tricher un tout petit peu, comme je vous disais. Je vais tricher parce que c'est des URL compliqués à écrire, pas parce que ça soit compliqué le processus.
on a l'URL de notre stockage, on va le dire, tiens, on va mettre des médias, tiens, on va donner un nom de fichier pour que chaque vidéo soit unique. Ensuite, on va faire un banal fetch JavaScript avec les blobs de tout à l'heure. Mais attends, ça veut dire qu'il faut que je l'envoie les blobs. Tu m'as rien dit, Jean-François. Mais j'attendais. Tu voulais que ça échoue et après pouvoir dire que c'est ma faute. Non. Donc ouais, c'est ni plus ni moins qu'un simple push, on s'en fout, sur quelque part. La seule subtilité, c'est que l'API, quand il a fini de charger la vidéo et la mettre à disposition, il va donner une réponse. Et dans cette réponse-là, il va nous donner l'URL que notre vidéo va avoir sur le net. Eh bien, essayons de partager cette URL. Là, je peux le faire d'une façon très, très bête, si tu veux. Écoute, on a un share button, donc je peux ajouter un petit event listener sur notre share button. Share. Et quand je clique sur mon event listener, merci Visual Studio. Là, qu'est-ce que je peux faire? Bah, je peux simplement ouvrir un nouveau onglet. On peut. Ouais. On va commencer par là déjà pour être sûr que ça marche. Voilà. Voilà. Et je vais ouvrir un nouveau onglet. Et comme j'ai récupéré ici ma jolie URL de partage. Directement sur les métadatas, c'est pas mal. Bonne idée. Ah bah écoute, on est un peu juste de temps et moi, de toute façon, sur vieille école, un window open avec un blanc, ça permet d'aller toujours très loin. Ok, alors, on va regarder, on va rafraîchir, on fait la petite vidéo, hop, on va attendre. Et je vais cliquer sur Share. Alors là, vous ne le verrez pas. Mais tu vas tourner la vidéo, là, pareil pour le monter. Mais là, on voit en effet qu'il y a un truc qui tourne là. Directement sur une URL. Directement sur une URL. Donc le window open, c'est pas mal. Bon. C'est pas mal, mais use the platform, quoi. Je pense qu'il y a un truc qu'on peut faire, quoi. Bon, d'accord. Il y a une API très sympathique disponible sur les téléphones, que c'est l'API Share des navigateurs. Donc je pense que dans ce cas-là, si tu n'aimes pas mon window open, non. Moi je le trouve très beau. Mais... Non, mais j'aime pas. On va faire un navigator share. Ah, ça, je préfère ça. Bah, écoute, à nouveau, je vais tricher un tout petit peu. Parce que je n'avais pas envie d'écrire l'objet de configuration. L'API share, elle est vraiment très, très simple. C'est l'API qui permet à votre smartphone de sortir les pop-up. Vous voulez partager avec quoi? Avec Twitter, avec Hangout, machin? En fait, on utilise le share natif, là, carrément. On est en train d'utiliser le share d'iOS, d'Android. Donc, on donne juste les infos qu'il faut. Un titre. Comme ça, ça, c'est le titre qu'il va voir. Et une description. Vidéo free and live. Prise, peut-être. Oh la vache, en plus, il me corrige le français. Le share, est-ce que c'est supporté par Safari? On verra après des mots sur le support. Il n'est pas aussi bien supporté qu'on voudrait. On peut faire des choses sympas. Il y a des polyfills, des trucs comme ça, mais à la base, on va les faire comme ça. Il ne voulait pas mon window open. Moi, je l'ai trouvé très beau. Et là, donc, et l'URL, ça va être vidéo URL. Donc, dans ce cas-là, je pense qu'il faut que je définisse mon vidéo URL comme le truc que tu as mis directement là en bas. Exactement. Ok. Oh, sur un malentendu, ça peut marcher. Ah bah moi, je pense que là, moi, j'y crois. Attends, alors, il n'est pas registré, tu vois. Sur un malentendu, on avait dit. Alors, c'est reparti. Attention. Non, c'est moi. 1, 2. Vous voyez. Allez. Enregistre quelques secondes, comme allez. Ça. Et il me cache, mais il est méchant, lui. Donc là, je vais faire share. Donc là, j'ai le petit partage. Et je vais aller jusqu'au Twitter, bout. Je vais partager sur Twitter. Je vais tweeter avec le compte, du coup, surchargé live. Et on va aller vérifier qu'on a bien partagé cette vidéo. En tout cas, ici, je les vois, ça a marché. Vidéo prise en live. Bah, tu peux l'ouvrir? Bon,
Eh bien, on est plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Du timing, on est bon. Donc maintenant, il nous reste 5 minutes. On a pensé avoir à peine 2. Il nous reste quelques temps pour les questions, pour des commentaires sur les différents API qu'on a utilisés et pour tous les feedbacks que vous voudrez nous donner. Donc maintenant, on a beaucoup parlé, non? On a beaucoup parlé. Il y a juste un truc. Vous vous en rendez compte, il y avait beaucoup d'API expérimentales, etc. Donc globalement, ce n'est pas demain que ça va tourner sur toutes les plateformes. Si une des questions qui va venir direct, c'est supporté par quoi? Et ben là, vous avez vu, on était sur Canary. C'est des API qui sont en voie de standardisation. Donc, ils ne sont pas encore des API W3C, même pas des drafts. C'est des pré-drafts, des API expérimentales. Ça veut dire que, oui, il est possible que dans 3 ans, l'API soit complètement différent ou complètement disparu. Par contre, vu l'intérêt de certaines de ces API et comment ils simplifient la vie des développeurs, parce que je vous dis, être capable de détecter un visage, ou mieux encore, de décoder un QR code avec une seule ligne de JavaScript de façon native, c'est vraiment pratique. Nous, on pense, on fait le pari que c'est des API qui sont là pour rester. Après, il faudra peut-être changer une partie de notre code et tout ça, mais au moins, c'est bien de pouvoir les connaître, de jouer avec et surtout de faire des retours aux différents working groups pour qu'il y ait un maximum de feedback des développeurs pour voir quelle sera la version définitive de cette API. Exactement. Du coup, les questions sont à vous. Oui. La question est, est-ce qu'on aurait pu passer le blob directement dans le navigateur.share? Le problème, c'est que le blob, en fait, est quelque chose qui est au sein de ton... C'est un objet local. C'est un objet local, donc... Si il est cher et il envoie sur Twitter, il ne va pas envoyer le blob. Twitter, ça tend à avoir des URL. Le blob, c'est un objet binaire qu'il va essayer de se réaliser et partager sur Twitter. Ça va plutôt mal se passer. C'est plus lié aujourd'hui à la share API qui ne te permet pas de caser des métadatas de type blob, en fait. Oui, mais côté Twitter, par exemple, où est-ce que ce binaire serait stocké? L'API Twitter, quand il envoie... Peut-être sur un malentendu, oui, on ne l'a pas testé. Mais en tout cas, c'est un truc à tester, en fait. Oui. Ah bon, on pourra essayer. On pourra tester, on fera un feedback, bien entendu. D'autres questions? Oui. Alors, la question, c'est à plusieurs moments, on n'a pas fait d'async await. Est-ce qu'il y avait une raison? Oui, parce que globalement, les endroits où on ne les a pas déclarés, c'est qu'on n'en avait pas besoin, tout simplement. C'est juste si on avait une ou des promesses, une ou des zen, je les ai vues. Il y a un zen sur le détecteur face, en effet, je pense que j'aurais pu le transformer, celui-là, en async. Disons que quand on a commencé à penser ce talk il y a 6 mois, ni Jean-François ni moi utilisions beaucoup async, de la même façon que certains moments, tu as vu des appels à fonction avec les bind, et l'autre moment, la syntaxe plus récente, c'est simplement une question de la façon de coder JavaScript, au moins dans notre cas, a beaucoup évolué, continue à évoluer, donc il y a des choses qui restent un peu par habitude. Mais ouais, donc il n'y a rien qui justifiait réellement le fait de mettre ou pas des async await à ce moment-là. Quand il y avait du async await, c'était justifié, mais les fois où on ne les a pas mis, c'était plus de l'oubli. Ouais. Non. Vu qu'elles étaient en mode promesse, on aurait pu les mettre en async await. En tous les endroits où on a mis un zen, on aurait pu les remplacer. Il reste une minute. On a une question maintenant, nous, à vous poser. C'est le premier épisode. Est-ce que vous trouverez pertinent qu'on fasse un 200e ou un 300e ou on s'arrête là? OK. Merci beaucoup. Merci.